l'Association des Amis du Monde Diplomatique a une judicieuse idée que d'inscrire à l'agenda de Cité Philo cette conférence sur le féminisme, en plus avec un titre assez joliment tourné, « Chape de plomb et plafond de verre, nouvelle série des combats féministes ». Et il y a en effet beaucoup à dire, beaucoup à penser, beaucoup à faire, surtout. Et comme d'autres mouvements, je pense surtout peut-être au mouvement antiraciste, il souffre, ce mouvement féministe, d'un net déficit de représentation. Dans les médias, dans les assemblées, dans les esprits, on le voit à peine, on l'entend à peine, on y pense à peine. Et dans ces conditions, il est difficile de transmettre, de poursuivre le dialogue, de passer le témoin et d'ouvrir des pistes pour l'avenir, pour reprendre une phrase de Françoise Pic. Alors pour certains, le féminisme est une vieille lune, un mouvement obsolète qui ressurgit de temps en temps alors que l'égalité serait plus ou moins acquise. On pourrait peut-être même avoir une affection un peu nostalgique pour les années 70, cette joyeuse équipée, joyeux folklore. Mais c'est vrai que le temps passe, ça fait 30 ans que le mouvement féministe s'est un petit peu éclipsé, et peut-être d'ailleurs depuis la reprise de ses mots d'ordre par l'institution, par le ministère aussi. Et il y a beaucoup de mots et de symboles que les féministes elles-mêmes, eux-mêmes, n'utilisent plus guère, du moins en public. Je pense des expressions comme la lutte contre le patriarcat, à l'instar de l'expression communiste, de lutte prolétarienne contre le capitalisme, ou même à certains égards du mot féminisme, qui se trouve parfois adouci ou peut-être rétréci par le mot antisexisme. Il y a une forme peut-être d'autocensure. Il faut dire aussi que les médias à grande diffusion ont une grande responsabilité. Eux qui, à coup de clichés, ont le pouvoir de faire croire que des révoltes sont surannées, simplement parce qu'ils en ont fixé la date limite de consommation, soit que le spectacle ne soit plus garanti, soit qu'un autre spectacle ait pris la relève. L'affolement de l'information est proprement abrutissant. On sait à peine qui est sous le bonnet rouge. Le mot suranné, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est ce qui est à péremption d'une année. Faudrait inventer maintenant un mot pour les péremptions à un jour ou à deux heures, le temps de quelques centaines de tweets. Et même quand les milliers de personnes sont encore dans la rue. Donc le mouvement féministe est forcément saisi par ce phénomène médiatique, peut-être plus qu'un autre mouvement, car la voix des femmes est depuis des siècles dévaluée par rapport à l'exposition de leur corps. Et à moins de chercher encore et toujours à attirer les médias, en dehors maintenant des rituels 8 mars et 25 novembre, 25 novembre c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, eh bien, en dehors, il faut peut-être se jouer des médias et en jouer, ou parfois aussi faire leur jeu. Alors, comme je le disais d'entrée, ce déficit de représentation n'implique pas que les raisons de combattre ont subitement disparu de par le monde et même ici en France, ni d'ailleurs que personne ne combat plus. Comme beaucoup de mouvements sociaux qui touchent à des équilibres de fond, quelque chose d'aussi structurel que l'organisation sociale des rapports hommes-femmes, le mouvement féministe aura du sens tant que les problèmes sociaux et matériels qu'il combat subsisteront avec leurs innombrables conséquences psychiques. Les faits sont têtus. L'exclusion des femmes de certains droits, y compris le droit de s'exprimer, le droit de se déplacer, le droit de ne pas être forcée à engendrer. L'exclusion des lieux de pouvoir, les violences parfois effarantes de cruauté, jusqu'aux mutilations, jusqu'aux mises à mort. Les discriminations et les inégalités, alors il y a celles évidentes dont on parle quand même, temps de travail, les salaires, les pensions de retraite. Puis il y a aussi celles qui sont moins manifestes et qui, à mon avis, sont très importantes également, c'est le temps qu'on a pour soi. Le temps pris seul ou avec des amis pour réfléchir, découvrir, fantasmer et jouir aussi. Créer, travailler seul. Avec des amis, je disais, mais travailler quand ce sont des bonnes conditions de travail, où on peut exercer sa liberté, développer son projet personnel. Et j'ajouterais enfin simplement le temps d'avoir du temps pour soi, le temps pour sentir le temps qui passe. Et ce temps libre, c'est un luxe, et peut-être surtout pour les femmes qui cumulent les tâches et les responsabilités. Alors il y a un monde à inventer, un nouveau monde, un monde d'un nouveau genre. Et c'est ce que voulait dire et veut toujours dire le mot féminisme. Mais aujourd'hui, on constate que ce ne sont pas seulement ces mots concepts qui pèsent désormais trop lourd et sont prétendument obsolètes, féminisme, communisme, humanisme même, mais ce sont aussi les mots stratégie qui désignent simplement des actions antidiscriminatoires. Par exemple, on n'entend plus guère parler d'antiracisme, mais ce faisant, le racisme, lui, se débride, il fait peur, il intimide, il devient même à la mode sous couvert d'être cash.
et non politiquement correct. La société, les intellectuels même et l'État, peut-être même en première ligne, commencent à laisser passer l'innommable, laisser insulter, laisser déplacer, laisser mourir celui, celle qui vient d'ailleurs, comme se faire traiter de guenon parce qu'on a la peau noire et quand bien même on a le statut emblématique de ministre de la Justice de la République. Et l'anti-homophobie risque de suivre le même sort après une exposition médiatique manifeste, déjà recouverte par du nouveau, une homophobie de combat par des manifestants d'un nouveau type. Et l'antisexisme, pourtant c'était déjà un petit rétrécissement, ben ça devrait suivre peut-être lui aussi, usé et ringardisé, sauf si elles savent se montrer sexy. Mais pendant ce temps, il y a d'autres images fortes qui arrivent dans les médias. Il y a des masculinistes qui grimpent sur leur grue. Il y a des indiennes qui sont prêtes pour quelques centaines de dollars à la gestation pour autrui à grande échelle. Et tout ça, ça fait une concurrence médiatique et une sorte de lutte pour la représentation. Et c'est là-dessus que je voulais donc faire ma petite introduction, cette lutte pour la représentation dans les médias, à l'Assemblée, dans les esprits. Alors c'est un moment critique pour le mouvement féministe. Et c'est donc passionnant de prendre le temps d'écouter et de discuter avec nos trois invités qui sont à la fois intellectuelle et militante, sur cette histoire-là qui continue, K1, K1 un petit peu, mais et sur la question de la transmission, continue ou discontinue, des historiques vers les nouvelles. Françoise Pic et Roselyne Tizet sont deux historiques, et j'en profite pour signaler qu'elles seront toutes deux dans le dictionnaire biographique des féministes depuis 1789. Elles ne viennent pas de 1789, elles-mêmes. Et donc, dictionnaire qui est à paraître au PUF en 2014. Et Julie Muret est une nouvelle qui porte ici la parole d'une association qui n'a pas renoncé au mot féminisme. Alors, je suis vraiment très heureuse de cette opportunité que nous donne l'association des Amis du Monde Diplomatique. Et je vais maintenant donner la parole, après l'avoir un petit peu présentée, à Françoise Pic. Alors, après avoir publié Libération des femmes, les années mouvement en 1993. Françoise Pic, qui est maître de conférence en sciences politiques à Paris 9, vient de publier Libération des femmes, 40 ans de mouvement, en fait, qui reprend le précédent texte et puis qui le poursuit. Elle pourra donc nous expliquer la spécificité d'un mouvement, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement, et en particulier de ce mouvement-ci, le mouvement féministe. Et puis, mouvement dont elle est d'ailleurs toujours partie prenante, puisqu'elle n'étudie pas qu'en chercheuse. Et y a-t-il même un mouvement féministe? C'est la question que j'avais aussi envie de lui poser, car s'il subsiste un noyau dur, de nombreuses controverses éclatent depuis une dizaine d'années, notamment autour de certains usages de soi, le port du voile, la prostitution libérale, la gestation pour autrui encadrée. Je ne vais pas jusqu'à parler des formes vraiment d'exploitation. Et sans même parler des controverses plus anciennes comme la conception de la différence sexuelle ou encore la question de la parité. Et parfois, il existe des différences de culture politique qui peuvent se faire fortement sentir avec des nouveaux groupes, comme les Femmes, par exemple. Et voilà, donc comment voyez-vous cette reconfiguration? N'y a-t-il pas des femmes aussi qui s'organisent et que les féministes elles-mêmes n'entendent pas? C'est aussi une question que j'avais envie de vous poser. Dans cette reconfiguration, est-ce qu'il n'y a pas aussi des mouvements un petit peu plus... plus petit, où il se passe encore des choses, mais qu'on n'entend pas tout à fait. Voilà, je vous donne la parole, Françoise Pic. Merci. Alors, évidemment, toutes ces questions, ça va là, le micro. Toutes ces questions, ça fait beaucoup. Alors, j'ai un peu renoté à la fin un certain nombre de choses, mais je vais commencer par évoquer ce à quoi j'ai pensé à la lecture du programme qui nous était proposé. Donc en partant de l'idée que, je cite, « Penser l'histoire du féminisme dans une histoire en train de s'écrire », ça m'a paru tout de même un petit peu vaste. Et que je me suis dit que en 20 minutes, c'était pas jouable. Et que donc, je voulais prendre les choses autrement. Et mettre l'accent sur un certain nombre de points. Donc, dans ce qui nous était donné, le programme tel qu'il était défini, pour caractériser le contexte dans lequel nous sommes, il dit « chape de plomb et plafond de verre ». Alors, j'ai un peu réfléchi à partir de ces deux éléments. Je suis assez d'accord, on peut le caractériser comme ça. Et là, ce que j'avais envie de souligner, c'est que chape de plomb et plafond de verre renvoient à deux dimensions distinctes du combat féministe. D'un côté, le plafond de verre, c'est ce qui freine
la marche vers l'égalité. Et de l'autre côté, les chapes de plomb. Et là, il me semble qu'il s'agit d'un retour en arrière, il s'agit d'une réaction, et que ça s'attaque davantage aux libertés que les femmes ont conquises, ou au principe même de la liberté des femmes. Donc, le premier point sur lequel j'avais envie de parler, c'était cette question dialectique, peut-être, en tout cas, cette distinction à faire entre égalité et liberté. Égalité et liberté, personnellement, je refuse absolument de choisir entre égalité et liberté. Mais il n'empêche que le mouvement féministe, dans son histoire longue, selon les moments, a mis plus d'énergie d'un côté ou de l'autre. Donc c'est le premier point que je voulais soulever donc par rapport aux différentes générations. C'est un débat que nous avons eu dans le collectif auquel Julie et moi participons, qui s'appelle Féministes en Mouvement. Et donc il y a là des anciennes, hein, comme bon, moi j'y vais avec deux casquettes, je suis 40 ans de mouvement, donc l'association qu'on a créée pour fêter les 40 ans du MLF en 2010. Et puis je suis la NEF, l'Association nationale des études féministes, bon, qui existe depuis 20 ans, bientôt 30. Enfin, donc ça, c'est les études féministes. Et oui, alors on a eu un petit peu ce débat, on a commencé à avoir ce débat entre générations, de se dire, nous les anciennes, on trouve que votre vision du féminisme insiste beaucoup sur l'égalité homme-femme. Ce n'était pas le cas de notre temps. De notre temps, c'était la liberté. D'ailleurs, c'était le mouvement de libération des femmes. On voulait la libre disposition de notre corps, la liberté de l'avortement, de la contraception, etc. Tout tournait autour de la liberté. Alors évidemment, c'était le contexte de l'époque. Hein. C'était l'époque des mouvements de libération. Et c'était l'époque, alors le terme de chape de plomb, par exemple, était très employé à l'époque. On avait vraiment l'impression qu'il fallait se libérer d'une chape de plomb. En juillet, nous avons organisé pour la troisième année les rencontres féministes. Dans ce cadre-là, j'ai animé une table ronde sur la liberté, où on a un peu essayé de tourner autour de cette question. Comment se fait-il que la liberté ne soit pas vue de façon aussi importante aujourd'hui que ça l'était il y a 40 ans. Et on s'est dit, évidemment, il y avait un certain nombre de choses qui nous a semblé évident, c'est que l'idéal de liberté, aujourd'hui, est très souvent dévoyé et qu'on est plus maintenant dans le libéralisme que dans une vision libertaire de la liberté. Et donc, ce qui est mis en avant souvent, au nom de la liberté, c'est le choix individuel, comme si liberté de se voiler, liberté de vendre son corps sur le marché du sexe ou sur le marché de la reproduction, comme on a dit. Donc cette idée de liberté, évidemment, ne correspond pas du tout à un idéal féministe. Dans un idéal féministe, il y a nécessairement la liberté qui est posée comme une exigence. Donc, exigence de liberté, d'émancipation. Je pense qu'il ne peut pas y avoir cette exigence, ça veut dire que... j'ai dû mettre ça plus loin. Je l'ai mis plus loin, donc j'en reparlerai. Le choix individuel, c'est mon choix, c'est mon droit, qui est maintenant mis en avant. Hein, parmi les choses dont on a parlé là, quand on voit à quel point nos slogans sont détournés, donc sans parler des 343 salauds, mais aussi dans le mouvement contre le mariage pour tous, c'est beaucoup nos slogans qui sont récupérés, détournés, etc. Donc tout ça explique bien que la liberté n'est pas, aujourd'hui, n'a pas la même importance. Bon, alors maintenant je reviens aux féministes des années 70 et pour préciser, parce que c'est pas forcément connu de tout le monde, que on ne posait pas beaucoup le problème en termes d'égalité. Notre idéal n'était pas
de devenir des hommes comme les autres. Hein, quand on disait un homme sur deux est une femme, il ne s'agissait pas que les femmes deviennent des hommes comme les autres. Mais on ne voulait pas s'identifier aux hommes, entrer en compétition avec eux, réussir dans la société comme eux, etc. On n'était pas du tout dans cette, dans cette vision. Et j'ajouterais, c'est en cela que le MLF, parce que c'était un mouvement collectif, pouvait se distinguer des féministes précédentes, par exemple de Simone de Beauvoir, hein, qui était quand même quelqu'un qui comptait énormément pour nous. Mais Simone de Beauvoir, comme les individus, les femmes de son époque, étaient des individus qui luttaient individuellement, ne pouvaient avoir comme objectif, quand elle parlait de libération, que de s'identifier aux hommes. Hein, c'est ce qu'elle disait, il faut s'identifier à eux. Il n'était pas imaginable de ne pas... Voilà, il y avait un choix fermé entre être une femme comme les autres ou être un être humain, c'est-à-dire un homme. Le mouvement de libération des femmes, dans la mesure où c'était un mouvement collectif, il voulait à la fois ne pas être une femme traditionnellement, comme mère, épouse, fait du logis, séductrice, ou je ne sais pas quoi, enfin, donc, refusant de s'identifier au modèle féminin traditionnel et refusant pour autant de s'identifier au modèle masculin qui était vu comme le seul modèle de l'humain. Donc il y avait une volonté d'échapper à ça, de considérer que la féminité comme la masculinité, c'était les deux faces d'un même enfermement et qu'on voulait sortir de ça en inventant autre chose. C'est-à-dire qu'on contestait la dichotomie, l'assignation de genre, etc. Alors, ce refus de choisir et de renoncer, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'utopie. Voilà, donc ça, en gros, je l'ai dit. Donc, l'utopie, ça consiste à refuser de se soumettre aux contraintes d'une réalité provisoire pour imaginer la vie autrement, pour imaginer que les choses pourraient être autrement, pour imaginer qu'on pourrait ne pas avoir à choisir. Ce qui est impossible dans la société telle qu'elle est à un moment deviendrait possible dans une autre société, dans d'autres modes de relations. Et donc, des contradictions insolubles dans l'état actuel des choses c'est ce pourquoi on se met en mouvement. On ne veut pas avoir à choisir entre universalisme et particularisme, entre être une femme et être un être humain. Si on parle d'utopie en mai 68, je voudrais vous donner aussi, parce que quelquefois j'ai l'impression que le monde a tellement changé qu'il est difficile de se rendre compte des choses. Dans le monde dans lequel on vivait en mai 68, c'était un monde bipolaire. Que ce soit la guerre froide ou la coexistence pacifique, il y avait deux systèmes politiques qui divisaient le monde. D'un côté, il y avait le monde dit libre, auquel la France appartenait, qui mettait la liberté, liberté d'entreprendre, liberté de la presse, liberté politique, en avant, et qui, au nom de cette idée de liberté, renonçait à l'idéal de justice sociale. De l'autre côté, il y avait un autre modèle, qui, au nom de la justice sociale, au nom d'une société sans classe, renonçait aux libertés dites bourgeoises. L'utopie 68arde, c'était de dire, nous, on ne choisit pas. On ne choisit pas entre un capitalisme libéral ou un socialisme sans liberté individuelle. On ne choisit pas entre le socialisme et la liberté. Ce qu'on veut, c'est une société libre et sociale. Et on devait se dire, évidemment, que tout était possible, parce que sinon, on n'aurait pas lancé le combat. On voulait changer la vie, on voulait faire la révolution. Et donc c'est parce qu'il y a cette utopie qu'il peut y avoir un mouvement social. Alors l'utopie ne se réalise jamais comme prévu. Soit elle est écrasée, et elle reste belle, mais voilà, exemple la Commune de Paris. Soit elle réussit le combat et elle est dévoyée et débouche éventuellement sur le totalitarisme. C'est pas très gai.
Mais il y a aussi autre chose, et c'est quand même l'expérience et de mai 68 et du mouvement de libération des femmes, une expérience moins dramatique. Qui nous ramène dans une autre contradiction qui se pose dans les moments révolutionnaires, c'est la contradiction entre réforme et révolution. Quand on est dans une période révolutionnaire, comme dans les années 68 au sens large, la réforme c'est l'antithèse de la révolution. On avait à l'époque une phobie du réformisme, l'idée que s'il y avait des améliorations partielles, on perdait le but final. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on regarde a posteriori ce qui s'est passé, eh ben, on voit que le mouvement révolutionnaire, la vague porteuse de la révolution, quand elle s'est retirée, eh bien, on a eu un résultat qui était des réformes. Et du coup, on peut un peu considérer que loin d'être l'antithèse de la révolution, la réforme, c'est son résultat. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu la volonté de faire la révolution, jamais on aurait gagné tout ce qu'on a gagné. À l'époque, il y avait des mouvements, des associations de femmes qui étaient des associations de masse réformistes, qui avaient des objectifs très clairs et normalement accessibles, et ben, elles n'avaient pas beaucoup de poids. Et cette dynamique qui a été l'utopie révolutionnaire a effectivement produit de très gros effets. C'était la récupération. La société a récupéré le gauchisme de 68 et le mouvement de libération des femmes pour que la société se réforme et s'améliore. Et voilà. Donc, mais évidemment. Le résultat, c'est qu'on a eu beaucoup plus que ce qu'on avait eu si on avait été réformiste, mais beaucoup moins que ce qu'on voulait. Donc, évidemment, cette dynamique d'utopie qui se transforme en réforme s'accompagne d'une frustration qui peut être très, très importante. Alors, aujourd'hui, donc c'est un peu cette récupération dont on pourrait parler aujourd'hui et qui ramène à la question de l'institutionnalisation dont vous avez parlé. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, le féminisme n'est plus aussi subversif qu'il était, puisque c'est un petit peu une valeur partagée, en tout cas en parole, de façon très très large. Ça devient un programme de gouvernement. Donc autour de la question de l'égalité, de la lutte contre les discriminations. Et c'est dans cette perspective-là, effectivement, qu'on peut identifier des plafonds de verre qui résistent et qui freinent la marche vers l'égalité, mais aussi les chapes de plomb. Alors moi, la façon dont je l'ai compris, c'était qu'il y a dans la société actuelle des tentatives de retourner en arrière, de remettre en question les acquis des femmes, le droit des femmes à disposer de leur corps, la liberté de choisir sa vie et de se définir selon ses propres normes, c'est-à-dire l'autonomie. Enfermer les femmes, les voiler, les asservir. Et là, on n'est plus sur le terrain de l'égalité, mais bien sur celui de la liberté, sur celui de l'habeas corpus. La domination masculine peut prendre la forme de la violence individuelle, viol, violence conjugale et toutes sortes de domination. Mais elle peut prendre une dimension plus collective, plus politique. Donc c'est le refus de la liberté des femmes au nom d'un modèle ou d'une idéologie réactionnaire qui s'appuie en général sur la religion. Alors on a actuellement deux catégories, le christianisme, catholique ou protestant évangélique, avec ses croisades contre la liberté des femmes à disposer de leur corps. On vient d'avoir au Parlement européen l'expérience du rejet du rapport Estrella qui tendait à permettre la liberté des femmes. Ou que ce soit je suis trop longue.
bon, ou que ce soit les mobilisations entre le mariage pour tous et la prétendue théorie du genre, donc cette opposition qui cherche à imposer à nouveau l'idée d'une nature féminine et du destin qui va avec, ou que ce soit l'opposition islamiste au modèle moderne, laïque, de femmes libres. La question du voile s'inscrit dans cette opposition-là, et c'est pourquoi je pense qu'il faut considérer que c'est une question politique beaucoup plus qu'une question de liberté individuelle. Mais évidemment, comme une question politique, cela demande beaucoup de vigilance pour que les luttes féministes ne soient pas instrumentalisées dans le jeu politique par ceux qui veulent utiliser la laïcité dans une vision d'exclusion. Donc ça, c'était ce que j'avais préparé. Et maintenant, je ne vais évidemment pas pouvoir tout dire. Ce mouvement et les controverses. Alors, ça fait beaucoup de choses. Mais peut-être on va en garder pas mal pour le débat. Donc simplement, par rapport à mouvement, je voudrais juste dire ça. Le féminisme, on parle de mouvement féministe. Ce que je voudrais dire, c'est que le féminisme, c'est à la fois une pensée, un point de vue, une doctrine. Je cite très souvent la définition du féminisme qui était donnée par Nelly Roussel, qui disait que c'est une doctrine de bonheur individuel et d'utilité sociale qui affirme l'égalité en droit et des deux facteurs du genre humain. Enfin, cette idée de doctrine autour de l'égalité. Et cette idée, le féminisme, de ce point de vue-là, je pense que ça traverse les siècles. Mais il y a des moments dans l'histoire où le féminisme devient un mouvement social et même un mouvement politique. Alors, à ce moment-là, il y a des questions de contexte. Il y a des situations qui font que tout devient possible, que l'utopie devient possible, qu'on peut penser que les choses pourraient être autrement. Alors, c'est souvent, et ça, c'est l'histoire de France, c'est souvent dans des moments où l'ordre social est secoué pour une raison ou pour une autre. C'est pour ça que l'histoire du féminisme en France est très liée à l'histoire du mouvement social. Ce n'est pas le cas partout. On a une histoire féministe en France très particulière parce qu'à la fois, elle est très... on a une histoire très mouvementée et donc le féminisme s'inscrit dans cette histoire. En même temps, il n'y a jamais eu en France le féminisme comme un mouvement de masse, comme ce qui a existé dans les pays anglo-saxons ou dans des pays du Nord. Le féminisme en France n'a jamais constitué un mouvement de masse. Mais c'est un mouvement, alors je ne vais pas dire d'avant-garde parce qu'on a trop combattu la notion d'avant-garde, mais davantage, en tout cas en ce qui concerne le MLF, de minorités actives. C'est-à-dire que les minorités actives, c'est un groupe social pas très important, mais qui, à un certain moment, saisit l'air du temps, en quelque sorte, et finalement porte quelque chose qui correspond à des aspirations profondes. Je veux dire, par exemple, le MLF, dans sa revendication de la liberté de la maternité, était très radical. Un enfant, si je veux, quand je veux. À l'époque, mais ça, c'est un travail de sociologue qui permet de le voir, il y a à l'époque une situation qui en fait permet un progrès pour l'ensemble des femmes, à la fois parce que la contraception a été inventée, se développe, etc. Et à la fois parce que la situation des femmes a changé. Il y a l'augmentation de la durée d'études, les femmes, il y a l'augmentation de l'activité professionnelle des femmes. Et donc, il y a pour la grande masse des femmes quelque chose qui n'est pas conscient, mais qui prend forme comme ça. Un enfant, si je veux, quand je veux,
Eh ben, faire des enfants quand on veut, pour les femmes qui ont désormais des exigences de sortir de la tradition des femmes au foyer avec 4 enfants, etc., ça correspond à une aspiration qui est donc effectivement de pouvoir planifier la maternité par rapport à sa situation professionnelle, mener de front carrière professionnelle et carrière maternelle. Cette aspiration-là, elle se retrouve donc de façon moins radicale, mais voilà. Et donc, juste, je vais terminer, juste par rapport simplement que les minorités actives n'ont de pouvoir, d'influence, que s'il y a derrière une aspiration, effectivement, une aspiration plus massive à aller dans ce sens-là. Quand cette aspiration cesse, et ça a été le cas dans les années 80, pour des tas de raisons, c'est la crise, etc. Le contexte avait changé, mais du coup, les minorités agissantes n'agissent plus du tout. Elles tournent en rond et elles n'ont plus de prise sur le réel. Voilà, bon, je vais donc m'arrêter là. Merci beaucoup. Alors, à Julie Muret, qui est donc cofondatrice et porte-parole d'Oser le féminisme, on aurait envie de demander quelle continuité ou discontinuité elle voit entre les jeunes et les historiques, éventuellement aussi entre les nouveaux groupes eux-mêmes. On parle parfois de troisième vague du féminisme, un féminisme rajeuni, moins doctrinaire, qui donnerait peut-être plus la voix aux minoritaires, justement, peut-être femmes racisées, lesbiennes, etc. Est-ce que c'est vraiment le cas ? C'est une question. Est-ce qu'il y a une aspiration massive derrière les groupes actifs ? C'est peut-être plus non plus beaucoup le cas. Rêve-t-on encore d'utopie ou de révolution ? Je n'en suis pas sûre, mais bon, en même temps, il y a tous ces groupes qui se sont créés, mixité en 97, mais depuis 5 ans, les femmes, la barbe, oser le féminisme. Alors, comment analysez-vous ce regain ? Et qu'est-ce qui vous mobilise au fond ? Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais vous remercier déjà de l'invitation de Cité Philo et des Amis du Monde Diplomatique pour ce débat sur le féminisme ce soir. Et puis, je vais rebondir effectivement sur ce qu'a expliqué Françoise et notamment sur les convergences et les différences entre les générations de féministes. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent qu'il y aurait eu 3 vagues. Le féminisme au 19e siècle avec ce qu'on a appelé de façon un peu péjorative les suffragettes, alors que ce sont des féministes qui se sont battues pour le droit de vote qui n'avait d'universel en France que le nom, puisque c'était un suffrage universel masculin uniquement pendant 150 ans. Et puis la deuxième vague des années 70, évidemment, qu'on fait dater d'ailleurs plutôt en 70, 2 ans après 68, avec pas forcément une très grande conscience des mouvements féministes d'ailleurs qui l'avaient précédé, mais avec une époque effectivement plus propice à l'utopie peut-être qu'aujourd'hui, mais j'y reviendrai. Et puis une troisième vague avec une volonté de faire l'égalité dans les lois, mais globalement on a une égalité des droits dans la loi, mais pas encore. Que ce soit dans les mentalités, que ce soit dans les inégalités criantes qu'on voit encore en termes de salaire, sur la question de rapport au pouvoir, de prise de responsabilité, la permanence des violences faites aux femmes sous toutes ses formes, ou encore, plus prosaïquement, dans le partage des tâches ménagères. Et c'est vrai que... En tant que jeune féministe trentenaire, oser le féminisme, on a voulu à la fois s'inscrire dans cette tradition, reprendre à notre compte ce terme de féminisme qui est à la fois mouvement social, effectivement doctrine, pratique militante, philosophique, et puis peut-être aussi affirmer notre fierté. De s'inscrire dans cette tradition-là et d'essayer en tout cas de lui redonner une image, puisque ce féminisme qui a tellement été discrédité régulièrement, on parle de backlash, de retour en arrière régulièrement, l'antiféminisme est toujours là. Mais certaines historiennes du féminisme parlent de
plus multiples vagues, pas seulement de trois, de multiplicité. Et finalement, qui remettent aussi en question qu'il y aurait eu un véritable creux après les années 70, dans les années 80, qu'il y aurait eu un vide et que là, depuis une dizaine d'années, on serait sur un renouveau. En fait, quand on regarde, il y a toujours eu la création d'associations féministes, y compris dans les années 80, comme le collectif féministe contre le viol, après les chiennes de garde, puis Mixité, et plus récemment La Barbe, nous, ou les Femmes. Mais c'est vrai que ça revient un peu en question. Il y a des associations qui se sont arrêtées, il y a des associations qui se sont un petit peu plus institutionnalisées, mais il y a toujours eu des associations qui se sont à nouveau créées, qui ont repris certains modes d'action traditionnels, et puis d'autres qui en ont inventé d'autres, qui ont été aussi sur des sujets spécifiques, comme la publicité, par exemple, le sexisme dans la publicité, sur l'image des femmes, ou au contraire sur les violences, et d'autres qui sont plus générales. Alors, on est effectivement, quand Oser le féminisme s'est créé, on s'est dit, oui, voilà, on est dans une illusion de l'égalité. On a 30 ans aujourd'hui, ou 25 ans, on a grandi dans la mixité, dans une impression de relative égalité, et puis le choc qui se fait au moment de l'entrée dans le monde du travail, où on s'aperçoit qu'on n'est pas traité pareil, que nos vies professionnelles ne sont pas pareilles, qu'on ne choisit pas les mêmes métiers, on ne suit pas les mêmes formations, on n'a pas les mêmes salaires, on ne subit pas les mêmes discriminations au moment de l'arrivée des enfants, et puis on a des inégalités criantes au moment de la retraite. Et évidemment qu'on reconnaît qu'il y a une transversalité, qu'on n'est pas sur une juxtaposition comme ça. Tiens, c'est marrant, les femmes, on ne les retrouve pas trop en politique, c'est peut-être parce qu'elles n'aiment pas le pouvoir, mais en même temps, elles font toujours 80% des tâches ménagères. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Donc, évidemment, on est sur toujours cette analyse de transversale, d'une société qui est encore patriarcale, qui a encore comme soubassement la domination masculine, même si le terme de patriarcat est presque devenu un gros mot. C'est quelque chose qu'on utilise très très souvent et qu'on reprend et qu'on explique, parce que je crois qu'il y a le besoin de l'expliquer, mais dont on a l'impression que parfois il n'est pas très bien compris, il n'est pas tellement compréhensible, et qu'on a changé d'époque alors qu'il était extrêmement utilisé dans les années 68-70. Alors le féminisme, il y a toujours eu ces allers-retours permanents entre théorie et pratique, entre le collectif et entre l'individuel, parce que c'est vrai qu'on est, on milite pour des idées, on milite pour un idéal d'égalité entre les femmes et les hommes, mais ça a aussi des conséquences sur soi, sur son engagement, sur son corps, sur l'articulation entre la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie militante. On reprend tout à fait à notre compte le privé et politique, et tout s'articule. On se réclame évidemment d'un universalisme issu de Simone de Beauvoir, comme nos aînés, avec des droits des femmes qui devraient être pour toutes et partout les mêmes, en tout cas dans des droits fondamentaux, comme le droit à disposer de son corps, comme le droit à l'éducation, le droit de vivre sa sexualité, quel que soit son âge, sa culture, sa religion. Et puis, évidemment, contre l'essentialisme, à savoir qu'il y aurait une nature féminine et une nature masculine, comme voudraient nous le faire croire les détenteurs, enfin, ceux qui parlent de théorie du genre comme une idéologie qui serait néfaste et qui veulent justement réinstaurer cet ordre moral, cet ordre social autour des rôles qui seraient des rôles sociaux masculins et féminins qui seraient naturels et inamovibles quelque part, alors que justement l'universalisme c'est
ouvrir le champ des possibles, inventer, et je crois qu'il y a vraiment encore cette notion de réinventer ce que c'est qu'être une femme, ce que c'est être un homme. On n'a pas vocation à ressembler aux hommes, mais au contraire, à remettre en question l'idéal de compétitivité pour les hommes, de gagner beaucoup d'argent, d'avoir une grosse voiture, etc. Enfin, je suis dans les clichés, mais c'est quand même un peu, on est toujours là-dedans. Et puis pour une femme, d'être une bonne mère, d'être toujours renvoyée à son apparence, au domaine privé. On est un mouvement laïque, bien sûr. Alors peut-être que dans les années 70, c'était une évidence. Comme on discutait avec Françoise, aujourd'hui, je crois que c'est important de le dire, de lutter contre tous les intégrismes. Quand le pouvoir religieux et le pouvoir politique s'allient, en général, les droits des femmes reculent partout sur la planète. Ça nous paraît être une constante, d'où l'importance d'affirmer qu'ils soient dissociés. Et puis le combat contre tous les intégrismes qui souvent se rejoignent en ce qui concerne l'enfermement des femmes. Enfin, le féminisme, c'est pas le renversement du sexisme ou les femmes qui voudraient prendre le pouvoir et instaurer une société matriarcale. Je le rappelle, mais souvent, il y a des questions là-dessus. Donc c'est vrai que je trouve que c'est important de le rappeler. Et c'est avant tout un combat humaniste qui permet de faire progresser hommes et femmes dans l'ensemble de la société. Et c'est pas seulement un combat catégoriel de femmes pour les droits des femmes. Je pense que quand on a plus d'égalité dans la société, plus de liberté, tout le monde progresse. Alors évidemment, les femmes sont majoritaires, on va dire, dans le mouvement féministe. Nous, on est un mouvement mixte. Il y a des hommes, évidemment, qui nous rejoignent et qui sont féministes. Là aussi, c'était une évidence pour nous. Mais c'est logique aussi parce qu'elles sont davantage touchées par les discriminations. Donc, c'est assez spontanément qu'elles rejoignent les mouvements féministes, alors que ça demande peut-être plus de déconstruction pour les hommes. Il y a cette tradition de lutte, et pareil, ce mot de lutte, qui est peut-être pas très bien vu aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose dans lequel on se reconnaît complètement avec nos aînés, et puis également d'être partie prenante du mouvement social. Alors c'est peut-être une composante française, mais c'est essentiel, notamment les mouvements syndicaux, surtout ce qui concerne l'égalité professionnelle. On l'a vu récemment sur la réforme des retraites. Nous, on a fait partie des collectifs contre la réforme des retraites, mais aussi du collectif jeunes, du collectif femmes. Enfin, c'était très important d'être aux côtés et partie prenante du mouvement social. Et puis, en fait, pour être féministe, il faut avoir beaucoup d'humour, contrairement à ce qu'on entend, et garder toujours son calme, parce qu'on explique mieux les choses, et puis on s'écoute mieux aussi quand on garde son calme. Et puis aussi, l'humour, c'est un vecteur très intéressant pour faire passer des messages. Donc on utilise beaucoup à la fois des actions coup de poing, des actions de rue, et puis à la fois la vidéo, par exemple, ou les petites vidéos vides meufs où on s'amuse à inverser les rôles sur le harcèlement de rue, sur les inégalités au travail, sur le congé parental. Et puis là, on met en exergue justement les stéréotypes de genre, les clichés. Et ça fonctionne assez bien. Et je crois que les féministes, quand on regarde, ont toujours fait preuve de beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité. Donc on essaye aussi d'être à la hauteur à ce niveau-là. Je voudrais revenir sur quelques divergences, en tout cas quelques différences entre peut-être les féministes aujourd'hui et puis nos aînés. Oui, je termine. Peut-être notre rapport aux politiques. On a, pour nous, le féminisme, c'est vraiment un projet politique, un projet de société, au sens politique au sens large. Après, ça ne veut pas dire qu'on est, on est évidemment indépendant de tout parti politique, mais de voir le politique comme un des leviers qui peut permettre de faire avancer l'égalité, parce que nous, société civile, quelque part, on n'a pas le pouvoir, et donc on est là pour pousser, pour aller toujours plus loin, même si généralement on est toujours frustré, parce que ça ne va jamais assez loin, ça ne va jamais assez vite.
Il y a beaucoup d'inégalités qui stagnent, mais il y a cet espoir peut-être de faire avancer les choses de cette manière-là. Alors on est plus structuré peut-être aussi que le mouvement de libération des femmes qui refusait toute institutionnalisation. Donc nous, on est une association classique, au sens classique du terme, avec un conseil d'administration. On est présent dans 18 villes en France, dont à Lille, ici, avec Oser le féminisme 59. On est effectivement trois porte-parole. On a des discussions internes sur plein de sujets. Et puis après, on peut exprimer des réactions par rapport à l'actualité ou des positionnements. La mixité, j'en ai parlé. Et puis, sur les modes d'action, alors c'est vrai qu'on fait souvent une distinction. Je crois qu'on est à la fois dans des modes d'action très traditionnels, diffusion de tracts sur les marchés, d'aller à la rencontre des gens, de faire de l'affichage sauvage dans la rue pour interpeller les passants, pour avoir un peu des slogans choc, comme on a pu faire Oser le clito, par exemple. Pour parler de sexualité et d'un sujet qui nous paraît encore très tabou, mais également profiter de la formidable opportunité que constituent les réseaux sociaux, même si c'est vrai qu'il y a une effervescence, ça nous a permis de faire connaître évidemment notre action, mais aussi que des féministes qui peut-être étaient un peu isolées, qui peut-être dans leur coin étaient choquées par certaines choses, nous rejoignent ou rejoignent d'autres mouvements féministes et se disent bah, moi aussi je peux participer, je peux agir. Et puis je pense à par exemple le hashtag je suis féministe parce que on s'était pris en photo chacune, qu'est-ce qui fait que, enfin c'était un exemple parmi d'autres de ce type d'action et de communication. Mais sinon, on a toujours cette alliance de modes d'action traditionnels et à la fois de notre époque. Par rapport à nos relations, c'est vrai qu'on a été relativement bien accueillis par celles qui avaient connu les années 70, même si ça ne s'est pas toujours fait sans heurts. On avait vraiment la volonté de qu'elles puissent nous transmettre aussi. Et dans cette ouverture, dans ce dialogue, je me souviens d'échanges autour des 40 ans de mai 68, par exemple, où il y avait aussi un appel, par exemple, du réseau Effigie sur la bienveillance, c'était un colloque sur la transmission, juste avant les 40 ans. Et puis l'année aussi 2010 a été une année de forts échanges avec l'association Les 40 ans du MLF. Et donc l'occasion de rencontres. Et puis aujourd'hui, on continue, comme l'a dit Françoise, autour des collectifs comme les Féministes en Mouvement, qui organisent chaque année des rencontres d'été, même s'il peut y avoir toujours des sujets clivants dans le mouvement féministe. Certaines associations se positionnent, d'autres pas. Il peut y avoir des clivages aussi en une question générationnelle, véritablement. Mais aussi, on se retrouve, et je terminerai là-dessus, comme par exemple le 26 août dernier, où on a fait une action pour des femmes au Panthéon. Vous en avez peut-être entendu parler, puisqu'il y a seulement 2 femmes sur 73 personnalités historiques au Panthéon. Et c'est important aussi d'agir sur les symboles. C'est aussi la transmission, la place des femmes dans l'histoire. Et on était plusieurs collectifs, et on l'a choisi comme date le 26 août. Donc, le 26 août 2013, en clin d'œil au 26 août 1970, qui marque le mouvement de libération des femmes, avec une action devant la tombe du soldat inconnu, puisqu'il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Merci beaucoup, Julie Muret. Enfin, donc, Roselyne Tizet, qui est à ma droite, donc militante féministe dont l'engagement local, notamment au sein de l'association lilloise du côté des femmes, au sein de la Maison des femmes, et comme celui national dans le groupe de travail, donc femmes, genre, égalité de la Ligue des droits de l'homme, s'est notamment concrétisée par la solidarité ici et ailleurs avec les femmes étrangères. Je vois que tu as d'ailleurs ton féministe sans frontières. Et donc, algérienne réfugiée, femme sans papiers, Rome. Et c'est son regard internationaliste qu'on sollicitera ici. Alors, comment analysez-vous ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le moment post-colonial, et en ce qui concerne les femmes, les féministes d'ici et d'ailleurs,
printemps arabe et ici aussi racisme anti-pauvre, etc. et les réactions aussi que ça peut susciter. Merci. Bon, je voulais, avant de passer justement à cette dimension-là qui m'a été demandée, je voulais donner mon impression de vieille féministe voilà, sur ce qui s'est passé depuis les années mouvement, comme on les a appelées, et l'histoire de la transmission, du creux de vague, de la rupture, du trou et l'arrivée, enfin, l'arrivée des jeunes. Alors, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment d'interruption, effectivement, mais il y a eu un creux de vague parce que les générations qui ont suivi les années mouvement, qui ont quand même, qui se sont soldées, Françoise a dit tout à l'heure, par toute une série de réformes dont elles ont été héritières. Donc, il s'est dit, avec ces trains de loi, en particulier imputables au ministère d'Yvette Roudy, il y en a quand même eu 23 en tout, que bah, maintenant, elles avaient tout, et puis elles ont pu avoir le bénéfice de certains acquis. Bon, par ailleurs, c'est aussi une génération qui a commencé à être frappée par la crise et à mettre, femmes et hommes confondus, toute son énergie dans l'assurance de l'avenir professionnel en particulier. Bon, c'est multifactoriel, comme on dit. Bon, mais plutôt qu'une rupture, donc c'est vrai un creux. Mais je crois que si la génération d'oser le féminisme et les autres s'est vraiment levée, c'est que après le combat paritaire et la loi de 2000 et toutes ces lois dont elles se sont aperçues dans la réalité que les lois dans le contexte franco-français n'étaient pas appliquées. Et je crois que c'est ça qui a aussi donc, mais en même temps que plus ou moins héritières de certains acquis et de certaines réformes, elles ont été héritières des analyses et de la pensée politique féministe. Parce que c'est vrai qu'elles s'élaborent dans des séminaires qui sont beaucoup trop confidentiels, mais tout de même, il y a, par le biais de diverses formes d'institutionnalisation, une sorte de vulgarisation de ce qui fait dans les grands séminaires. Et donc, voilà. Donc, en fait, il n'y a pas eu de rupture, mais bon, il n'y a pas eu le dynamisme. Voilà. Mais surtout, il y a eu une différenciation des formes et aussi une extension. Alors pourquoi sans arrêt comme ça il faut remettre et que finalement quand j'ai entendu la première fois dans une réunion d'oser le féminisme poser les... J'ai dit mais elles refont tout, elles recommencent ce que nous on a fait, qu'on a cru avoir imprimé, et c'est que le patriarcat résiste. Ce système universel, on peut le dire, hein, ancestral aussi. Parce que antérieure, on a incriminé tout à l'heure, à juste titre, les intégrismes, etc. Enfin, la religion qui a toujours proclamé la secondarité des femmes, mais le patriarcat est antérieur aux religions monothéistes qui ont mis largement dessous à la musique. Et c'est cette résistance qui fait que, à la fois, on est sans cesse obligé de remettre sur le métier l'ouvrage, et en même temps, une extension, parce que, j'y reviendrai, si on regarde avec les moyens de communication et tout ça, et d'information, on le sait, si on regarde absolument dans quasiment tous les pays du monde, eh bien, il y a des mouvements, et ce, depuis un certain temps, et avec, en plus, des traits communs. Alors, les intérêts du patriarcat, ben, ils sont idéologiques, bien sûr. La secondarité universelle des femmes, on va pas. Il y a des bénéfices individuels et collectifs. Mais aussi, un point sur lequel on insiste peu, c'est les bénéfices économiques du système patriarcal, mais aussi capitaliste. C'est-à-dire que tout le travail gratuit des femmes, que les femmes effectuent gratuitement, ou dans des conditions de grande précarité, sous-payées, etc., c'est un bénéfice énorme. Dans les années 90, des
des économistes féministes avaient fait des calculs fictifs. Moi, je ne suis pas du tout versée dans l'économie, mais je me rappelle avoir lu ça, qui était quand même assez frappant. Elle disait, si on devait compter le travail que les femmes à la surface du monde font quasiment gratuitement ou presque, dans les pays du Nord, ça pourrait atteindre entre 35 et 70% du PIB, et dans les pays du Sud, puisque ce sont des calculs fictifs, ça pourrait aller jusqu'à 110 ou 130%. Ça donne un peu la mesure. Et de conclure, hein, d'une façon un peu polémique, si du jour au lendemain on devait payer le travail des femmes pour ce qu'il vaut, le capitalisme s'écroule. Ça fait rêver. Alors, après l'arme de résistance qui est commune du nord au sud, parce que très souvent, et pendant tout un temps et encore maintenant, les pays du nord et même certaines féministes des pays du nord, des pays riches, avaient une grande compassion et pitié pour ces femmes des pays du Sud qui étaient beaucoup plus enfermées, qui étaient beaucoup plus opprimées, ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'il y a une grande différence, non pas de nature dans l'oppression, hein, mais de degré, certes. Et puis, s'il y a eu des combats héroïques, on peut dire qu'on a eu quelques combats héroïques, on n'a jamais risqué notre vie. Mais à la surface du monde, les femmes qui se lèvent, bon, j'y reviendrai avec quelques exemples, elles risquent largement leur vie, hein, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, et que ce soit dans le Maghreb, les printemps arabes, etc., et que ce soit en Afghanistan, par exemple, c'est un peu... Et ce qui est commun du nord au sud, Françoise l'a évoqué, j'y reviens, c'est la peur de l'indifférenciation sexuelle. La peur que le vieil ordre, homme-femme, oui, vieil homme, soit remis en question, parce que c'est vraiment la base de la structure sociale patriarcale qui est quand même la plus répandue à la surface de la Terre. Alors, j'avais aussi prévu de parler un peu de l'antiféminisme, mais bon, comme ça a été évoqué, on en reparlera plutôt plutôt dans le débat. Alors, une des ruses du patriarcat et de l'antiféminisme, qui est une de ses armes, c'est de dire, d'avancer l'idée de complémentarité. Et ça, c'est très fort, bien sûr, dans les pays du Sud, et en particulier l'argument religieux, mais c'est très fort ici aussi, parce que quand je vais animer des débats pour la Ligue des droits de l'homme dans des départements un peu ruraux ou éloignés, et qu'on aborde la question de l'égalité, revient l'égalité, oui, mais les différences, il faut les maintenir, etc. Bon, il n'est pas question de nier la différence biologique, mais évidemment de créer une égalité dans les rôles, dans les rôles sociaux, bien entendu. L'idée de l'interchangeabilité même des rôles sociaux résiste aussi, même ici. Hein, et l'idée d'une équité dans les sphères séparées, eh ben, c'est pas seulement dans le discours de Tariq Ramadan, hein. Bon. Par exemple, pour faire court. Alors, si le patriarcat est si universel, avec des variations, comme je le disais, variantes de degré plus que de nature, puisque encore un ou deux très communs, c'est sur le plan de la sexualité. Comment, du nord au sud, la sexualité est un lieu de pouvoir. Hein, l'effet grossissant est bien montré avec le phénomène de la prostitution. Et les débats qui sont autour
dans le nord ou le sud, alors tantôt par le biais de la morale, tantôt par d'autres biais, et surtout partout, et en particulier à la faveur de la crise, des tendances, ou alors avec l'argument libertaire, à proposer des politiques réglementaristes. On a vu quand même dans les années 98, dans un document de l'OIT, une recommandation pour quatre pays très pauvres. À l'époque, il y avait la Malaisie, et puis je les ai un peu oubliés. Préconiser à ces quatre pays, ces quatre gouvernements, de réglementer la prostitution, à la fois pour en toucher les dividendes et pour régler la question de la pauvreté des femmes. Donc, dans un organisme, un organe, aussi quand même une institution, que l'OIT. Ce qui est commun donc du nord au sud, c'est effectivement la contrainte par le corps, que ce soit, alors encore une fois avec des degrés, que ce soit par l'enfermement, hein, on pense en Afghanistan, la burqa, etc. Mais Fatima Mernissi a écrit un livre où elle mettait en perspective les contraintes sur le corps entre le sud et le Nord, et où elle incriminait aussi l'assignation à la mode. Il y a aussi des contraintes du corps dans les sociétés occidentales. La seule différence, et elle est de taille, c'est qu'on n'est quand même pas obligé. Hein. Bon, c'est vrai. Mais dans les mécanismes, justement, pour bien comprendre le patriarcat à l'œuvre et son côté universel, c'est bien de les mettre en perspective. Alors, si le patriarcat est universel, y a-t-il une internationale féministe? Moi, j'ai envie de répondre oui. Alors, si même avant l'apparition du terme féministe, qui, je crois, apparaît au XIXe siècle, le féminisme sous d'autres formes pouvait exister bien avant. Hein. Si on reste dans un contexte un peu français, on pourrait remonter à Christine de Pizan. Les écrits de Christine de Pizan nous laissent rêveurs. On croirait sortis de certains tracts d'aujourd'hui. Même chose pour Marie de Gournay. Marie de Gournay, qui est la fille spirituelle de Montaigne, écrivait, bon, on n'était pas une écrivaine au sens de la grande littérature, mais elle écrivait des textes qui ressemblent alors vraiment, vraiment à tous les tracts qu'on peut écrire, qu'on a écrit après et encore aujourd'hui. Bon, on peut balayer effectivement toutes les époques où, comme l'a dit Françoise, à la faveur de bouleversements sociaux ou historiques, les femmes s'étaient levées. Bon, alors on pense à la Révolution, mais il y a eu celle de 1830, il y a eu celle de 1848, il y a eu celle de 1871, 1914 avec le pacifisme, etc. Et partout, alors, aussi bien quand on remonte dans le temps que quand on circule dans l'espace mondial, les traits communs, c'est que réclament les femmes participer à la société pour effectivement jouer un rôle, y avoir une place, mais aussi très souvent au service du bien commun, soit au service de la paix, soit au service de la survie alimentaire. Et en même temps, effectivement, elles posent la question de leur émancipation, de l'égalité des droits, etc. Et ça, en ce moment, si on feuillette, par exemple, ne serait-ce que le bulletin Rupture qu'on doit, entre autres, à notre amie Monique Dantal, si on feuillette ce petit bulletin qui a quand même le mérite d'exister, de paraître tous les mois, je crois, non ? Non, deux mois, enfin il est quand même très régulier, où elle passe en revue, ou bien les écrits de la marche mondiale, toutes les luttes de femmes, eh bien c'est vraiment partout et absolument sur tous les fronts et sur tous ceux qu'on a énumérés depuis qu'on est là ce soir. Et ce, avec des formes diverses, des rythmes divers, des priorités diverses, et qui ne sont pas les mêmes. En 2000, j'avais séjourné au Bangladesh, et
à Dakar, la capitale, j'ai essayé de voir s'il y avait une association féministe, que j'ai trouvée. Hein. Alors évidemment, des femmes, plutôt des intellectuelles, enfin femmes de la bourgeoisie, mais qui avaient dans leur local un atelier de couture pour aider les femmes pauvres. Voilà, donc, tout ça à l'intérieur. On n'a jamais fait ça, nous, avoir ce type d'action directe. Et alors, il y avait Simone de Beauvoir partout affichée. Enfin, je me sentais vraiment chez moi. Et alors, il y avait une campagne avec des affiches absolument terribles où on voyait une femme attachée, etc. Donc, j'ai regardé. Alors, au Bangladesh, c'est plus de 1000 habitants au kilomètre carré. Donc, des centres de planification des naissances, il y en a, je ne vais pas dire à tous les coins de rue, mais il y en a beaucoup. C'est vraiment une nécessité vitale. Mais pour les femmes pauvres, ce n'est pas la contraception, la planification, c'était aussi la stérilisation forcée. Et donc, elles faisaient une campagne contre les stérilisations forcées. J'étais très émue, parce qu'effectivement, nous, on se battait quasiment en même temps pour garder le droit à l'avortement, l'étendre, etc. Bon, elles... elles l'ont par nécessité, mais elles se battaient pour qu'on n'enlève pas aux femmes la décision et la maîtrise de leur corps d'une autre façon. Je vous assure que j'ai ressenti là une grande émotion et que j'ai vu aussi ce qu'il pouvait y avoir de commun, mais avec des formes diverses en fonction des pays. D'accord. D'accord. Attends. Oui, alors, sur les... Ben, je voulais un petit peu sur... un mot sur les printemps arabes. On a vu aussi comment les femmes des printemps arabes s'étaient engagées, comment on a pu applaudir, comment, dans leur diversité, avec leur priorité, avec leur combat pour la dignité, etc., en particulier dans le Maghreb. Et puis on voit aussi aujourd'hui comment elles ne sont pas tellement récompensées, elles n'ont pas encore marqué les points espérés, et même ça se retourne un peu... Alors, on pourrait dire, c'est l'islam, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples aussi dans l'histoire. On peut prendre l'histoire, par exemple, de la guerre d'Algérie, l'histoire de la guerre 14-18. La guerre 14-18, les femmes ont donné, enfin, pas au front, mais à l'arrière, mais bien, elles ont fait tourner la société. Là, on n'a pas dit que les femmes ne pouvaient pas conduire un train, ne pouvaient pas fabriquer des obus, etc. Non, on avait besoin d'elles. Bon, au retour, elles n'ont même pas le droit de vote qu'elles réclamaient déjà depuis des lustres. Elles l'ont pas eu. Les femmes en Algérie qui se sont mises dans le combat pour la libération du pays, retour à la maison. Les femmes palestiniennes qui s'étaient engagées dans l'intifada ne siégeaient même pas au conseil de l'intifada, par exemple. Je pense aussi à un autre exemple, les femmes du Chiapas qui étaient engagées dans la lutte nationale et qui se battaient avec les fusils dans la journée. Le soir, quand elles rentraient, c'était la cuisine, etc., battues parce que la soupe n'était pas prête, elles avaient quand même réussi à obtenir du sous-commandant Marcos, à l'époque, une charte pour les femmes, pour qu'elles ne soient pas violées à l'intérieur même de leur lutte, pour qu'elles ne soient pas battues parce qu'elles n'assuraient plus les tâches domestiques, etc. Bon, c'est pour vous dire que... Il y a encore beaucoup de travail. Alors, sur les féminismes ou les formes de féminisme, il y a sûrement plusieurs formes à partir du moment où il y a tout cet échantillon. Alors, dans le contexte franco-français, bon, on l'a évoqué, mais aussi à un échelon mondial. Mais j'ai envie de dire que... Alors, on parle beaucoup d'articulation... en ce qui concerne les femmes, de couleur, classe,
etc. Et de mettre en perspective cette multiplicité de discriminations, qu'on appelle aussi, avec un mot savant, intersectionnalité ou consubstantialité aussi. Bon, effectivement, le paradigme de l'oppression pouvant être une femme à la fois noire, lesbienne, handicapée, etc. Certes, mais est-ce qu'il s'agit de hiérarchiser les luttes, les combats, les priorités, ou au contraire solidariser toutes les aspirations et toutes les formes d'aspiration? Moi, j'ai envie de dire que là où il y a un point marqué, c'est l'ensemble des luttes féministes et des femmes pour leur émancipation qui marque un point aussi. Ce qui m'avait frappé au lendemain de la chute des talibans, là, c'est que dans une campagne, tout au fond d'une campagne, pas à Kaboul, il y avait une militante qui avait rassemblé un petit groupe de femmes, elles étaient peut-être une quinzaine, et leur disait, ben, maintenant que les talibans sont partis, qu'est-ce que vous voulez? Et il y en a une qui a dit, premièrement, je vous assure, dans l'ordre, avoir moins d'enfants. Tiens, c'est quand même par là qu'on a commencé. Deuxièmement, aller à l'école. Évidemment, il n'y a pas si longtemps que ça que les femmes sont à égalité dans tous les secteurs de l'éducation. Ensuite, elles ont dit travailler, évidemment. Si dans les années 70, on s'est battu pour la liberté, c'est vrai, parce qu'il y avait l'oppression, les contraintes, etc. Mais c'était aussi une clé, par exemple, la liberté de ne pas être prisonnière de la maternité, d'avoir la maîtrise de la contraception, c'était une clé pour aller investir d'autres lieux, que ce soit, alors pas tellement la politique, parce qu'à ce moment-là, c'était après 68, c'était élection piège à con, la politique, ça se faisait plutôt dans la rue que dans les partis, etc. On était dans cette mouvance-là, ça c'est vrai, mais quand même le travail. Mais si on disait on ira au travail, c'était pas à l'époque, je me souviens des débats, mais y aller, c'est se faire exploiter deux fois. Bon, effectivement, puisqu'il y avait aussi le travail domestique. Oui, mais on allait y aller pour le subvertir, le travail. Et les syndicats n'avaient qu'à bien se tenir. On allait voir ce qu'on allait voir. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment, subversion. Bon, enfin, voilà. Donc, solidariser les luttes. Et oui, alors pour revenir à mes Afghanes, la dernière, qui était un petit peu plus jeune, elle a dit, et comment se débarrasser d'un mari quand il n'est pas bien? Voilà. Donc ce que je voulais montrer, c'est que finalement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a quand même beaucoup, beaucoup de ressemblances. Et ça, c'est irréversible. On ne reviendra pas. Il y aura des reflux, mais on ne reviendra pas en arrière. Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. Et c'est aussi pour vous donner la parole qu'il faut arrêter les interventions pour que d'autres choses puissent émerger. Sinon, sur le mot féminisme, il me semble qu'à l'origine, c'était pour désigner une maladie d'efféminement des hommes dans les années 1870. Être féministe, et qu'après, donc, ça a été repris à titre de mouvement, mais c'était plutôt d'ailleurs critique au départ, avant d'être réapproprié. Voilà, eh bien, la parole est à vous, saisissez-vous-en, n'hésitez pas, il y a un micro qui circule. D'abord, bonsoir. Je voulais faire ressortir quelques points qui, personnellement, en tant qu'étudiant en sociologie et en anthropologie, et qui donc apparemment connaît parfois mieux le sujet que vous, il y a des choses qui profondément m'ont choqué. Vraiment choqué. Mais n'hésitez pas, vous pouvez poser votre question. Choqué dans le sens où vous revendiquez un universalisme qui est proche du nihilisme, dans le sens où vous niez la différence culturelle
vers une forme de revendication qui, selon moi, est assez détachée des réalités de chacune, dans le sens où l'intersectionnalité, comme l'a si bien dit notre camarade féministe. Vous parlez de la différence culturelle entre hommes et femmes, ou selon les pays ? Dans le sens où le féminisme qui là est représenté est clairement un féminisme blanc, bourgeois, et qui du coup ne prend pas en compte qui ne prend pas en compte des différences culturelles. Je veux dire, à un moment, c'était pas l'objectif aussi de l'intervention de Roselyne Tizet ? Justement, en fait, elle était. Est-ce que vous avez une question, monsieur ? J'ai une question dessus, dans le sens où elle a parlé de beaucoup de différences culturelles entre guillemets, sauf qu'elle est restée extrêmement vague. Il n'y avait pas l'air d'avoir de réelles connaissances d'auteurs postcoloniales, de gender studies ou de cultural studies qui sont arrivés à partir. Pour être allé au Bangladesh, c'est déjà pas si mal. Être allé au Bangladesh, c'est pas connaître la situation sociale du Bangladesh, je suis désolé. Bon. Allez, posez votre question, monsieur. Donc, moi, je voulais revenir sur une chose. C'est qu'à un moment, il a été dit qu'une de vos revendications, c'était de pouvoir se définir selon ses propres normes. Sauf que, dans la phrase d'après, vous critiquez les femmes qui revendiquent le droit de porter le voile, de se prostituer, dans le sens où il y a plusieurs prostitutions et toute prostitution n'est pas esclavage sexuel. Il y a des femmes qui revendiquent le droit de se prostituer et pourquoi n'auraient-elles pas le droit de le faire ? Il y a aussi des hommes qui se prostituent et ils ont le droit de le faire, tout comme les femmes, je suis désolé. Pourquoi, en fait ? Ah oui, et je voulais aussi revenir sur le fait que laïque ne veut pas dire anti-religieux, mais respect des religions d'autrui. C'est pas non plus pareil. Non, c'est pas tout à fait ça la définition de la laïcité, mais c'est le respect de la liberté de conscience, et y compris d'ailleurs de la liberté de culte. Voilà, mais je crois que si tout le monde s'entend bien sur ce que veut dire la laïcité. Mais du coup, pourquoi en fait devrait-on se définir selon ses propres termes qui sont en fait les vôtres ? Clairement. On n'a pas bien compris votre question. Pourquoi doit-on se définir selon ses propres termes à soi, comme il était dit dans votre phrase, pour juste après dire qu'en fait, ces termes sont les vôtres et vous pas les nôtres. De l'intervention de qui vous parlez, en fait, j'ai pas Des deux premières intervenantes. Françoise Pic et Julie Muret. Oui. Bon. Pourquoi y aurait-on des droits qu'on peut revendiquer et d'autres non ? Clairement. Merci. Oui. Alors, le fait que vous soyez étudiant en sociologie, en anthropologie, que vous en sachiez dès lors plus que nous, me paraît un peu contradictoire avec la suite de votre discours. Je suis frappée. Nous sommes donc des féministes blanches, quoi d'autre déjà ? Bourgeoises, éventuellement hétérosexuelles ? Non ? On n'est pas ça. Quand même pas. Bon, bref. Et alors, moi, vous savez à quoi votre intervention me fait penser ? Ça m'amuse assez. Ça me fait penser à une intervention au Congrès féministe de 1900 qui a été troublée par les étudiants collectivistes de l'époque qui sont venus donc dire à ces femmes, vous êtes des bourgeoises. Et ça, moi, ça a été une des premières choses sur lesquelles j'ai travaillé. Ça veut dire quoi, des bourgeoises ? Et sur l'époque, c'était tout à fait passionnant parce que finalement, j'ai travaillé sur qui étaient les femmes qui avaient créé le mouvement féministe au début du XXe siècle, ou de la même façon, celles, puisque ça nous est arrivé à nous, nous avons été traitées, non pas de bourgeoises, mais de petites bourgeoises. Alors là, une grande partie de mon travail sur le long terme, c'est d'avoir effectivement étudié qui étaient ces femmes-là. Et ça veut dire quoi, être bourgeoise ? Donc le résultat, en ce qui concerne les femmes des années 1900, une bourgeoise, c'est la femme d'un bourgeois. Et les féministes, qu'est-ce qu'elles disent à ça ? Elles disent, vous nous traitez de bourgeoises, mais je ne comprends pas où vous mettez la ligne de démarcation, car chez nous, il n'y a pas d'oisives, toutes nous sommes des travailleuses. Pour ces femmes-là, être une bourgeoise, ça voulait dire effectivement une femme, la femme d'un bourgeois. Et elles se revendiquaient, les féministes changeaient le modèle de la bourgeoisie, puisqu'elles allaient devenir des femmes qui travaillaient, etc. Bon, alors maintenant, comme quand même il y a le postcolonialisme qui vient derrière, je voudrais quand même faire une réponse qui m'est arrivée d'avoir l'occasion de faire, mais que quand même je tiens assez à faire.
les femmes, si je parle par exemple sur la question du voile, hein, puisque j'ai parlé de ça, cette idée que nous, féministes, bourgeoises, impérialistes, etc., imposerions nos normes, c'est quelque chose qui est pas mal raconté. Hein. Or, les femmes en question, hein, qui vient dire nous voulons nous voiler. Bien sûr, il y en a qui disent nous voulons vous voiler, mais vous avez autant, sinon plus, de femmes de la même origine qui, qu'elles puissent l'affirmer ou pas, en tout cas, tiennent beaucoup à la République qui leur permet, qui leur dit qu'elles sont des individus au même titre que les hommes et que, notamment, puisque c'est bien là l'origine, si on interdit aux filles de se voiler à l'école, c'est qu'il est important, et de ce point de vue, moi je suis absolument pour, comme ça a été le cas au XIXe siècle, que la République laïque impose des normes d'égalité entre les garçons et les filles, et que ça commence par, voilà, on leur transmet les moyens de se faire eux-mêmes leur propre idée, et donc d'être autonomes. Et le voile, qu'on le veuille ou non, enfin en tout cas, au niveau de l'école, même si elles disent c'est mon choix, la réalité, bon, et si quand elles disent c'est mon choix, si un homme de 40 ans veut coucher avec elle et qu'elle dit c'est mon choix, on dira ben non, non, c'est pas son choix parce qu'elle n'est pas en état d'avoir les idées assez, et on parlera de pédophilie. Et ben, une petite fille, comme on en voit dans ces cas-là, des petites filles voilées, excusez-moi, c'est pas son choix. En tout cas, elle n'a pas les moyens de que ce soit un choix éclairé. Alors quand on a, j'ai vu ça récemment, dans Le Monde, il y avait un débat à propos de faut-il interdire le voile à l'université. Bon. Et puis il y avait un imam là qui disait par exemple que le voile, c'est un commandement beaucoup moins important dans l'islam que le fait que les hommes doivent garder leur barbe. Eh bien, il ne me semble pas qu'il y ait tellement de barbus, autant que de femmes voilées. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit en voulant dire que c'était politique, parce qu'effectivement, nous sommes en France, en particulier, dans une lutte à bas bruit, mais tout de même une lutte entre deux conceptions de la place des femmes dans la société. Et que ceux qui disent le voile comme choix, c'est aussi un modèle de société et de place de la femme dans la société qui n'est pas le nôtre. On va peut-être passer à la question suivante. Mais ceci dit, il n'est pas interdit de porter le voile en France et il n'est pas interdit de se prostituer. C'était une protection sur les jeunes filles dans l'école, hein, à l'école. Donc, volontiers, une autre question. Moi, je voulais revenir juste sur un point qui avait été cité là, justement dans l'intervention, c'était celui de la laïcité. Et il me semble que la laïcité, de plus en plus, on la détourne en disant que c'était le respect des religions. Or, c'est le respect des convictions philosophiques, religieuses et autres, et entre autres, avec le droit de critiquer. Critiquer les religions, critiquer les attitudes. Et je me refuse à ce qu'on me dise que quand je critique une religion, je ne suis pas laïque. Je pense qu'il faut respecter les convictions, certes, mais ça veut dire que les miennes, qui sont aussi éventuellement de critiques, font aussi partie des aspects de laïcité. Donc je pense que là-dessus, il faut être clair, c'est-à-dire que le respect des convictions de chacun permet aussi de dire que le port d'un foulard, le port de signes qui ne sont pas seulement religieux, mais qui sont quand même des signes d'oppression des femmes, c'est aussi une conviction qu'on a le droit de défendre, même en étant laïque. Oui, on a même le droit d'être islamophobe et christianophobe, etc. en France, on peut dire les choses comme ça, mais c'est vrai que lorsque c'est pour masquer ou pour porter un racisme anti-musulman, voire, évidemment, là, il y a une démarcation à faire. Et c'est tout le problème aussi de l'extrême droite qui se ressaisit de tous ces concepts pour les fausser
Et les terrains sont minés de telle sorte que certains abandonnent carrément ces mots, je dirais même l'humanisme y compris, mais au moins la République, la laïcité. Et c'est vrai que ce sont des mots qui deviennent assez lourds, et dans le contexte actuel particulièrement. Mais il s'agit à nous de les définir, hein, et sans cesse de les redéfinir. Alors moi j'avais une petite question, enfin, on a invoqué le féminisme d'un point de vue historique, vous l'avez toutes fait. Moi ce qui me parle en tant que femme aujourd'hui, c'est bien évidemment les combats contemporains, toujours envisagés par rapport à ce qui a été fait avant, ça c'est une évidence. Et personnellement moi j'ai remarqué que la question du corps féminin c'est quelque chose qui est énormément d'actualité, vous l'avez toutes dit aussi, la contraception, choisir d'avoir des enfants ou pas, mais moi je pensais aussi et surtout à la surexposition sexuelle qu'on peut avoir dans les médias, à tous ces clichés qu'il y a sur le corps féminin, ce que doit être une femme pour être belle, etc., etc., qui pèsent en fait sur ma génération, enfin je parle d'expérience personnelle. Du coup, moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez, vous, du coup, en tant que féministe, de l'utilisation à outrance ou exagérée du corps comme médium de combat ? Et là, évidemment, je fais référence aux femmes parce qu'elles ont fait pas mal de débats, créé pas mal de débats autour de ça. Mais qu'en tant que féministe, qu'est-ce qu'on pense de cette utilisation-là du corps dans une société où le corps féminin, il est déjà, de toute manière, surexposé ? Merci pour votre question. Que Julie Muret pourrait donner son appréciation. Oui, bah complètement. On a d'ailleurs écrit un dossier, un journal sur les diktats qui pèsent sur le corps des femmes. On voit que de toute façon, les femmes sont toujours ramenées à leur corps, qu'ils soient cachés, qu'ils soient dévoilés. On est aussi toujours ramenés à finalement cette apparence, cette sphère privée. Et puis, on est dans une époque où c'est complètement exacerbé, c'est-à-dire qu'en termes de normes de minceur, d'esthétique, de mode, et si on va jusqu'à la chirurgie esthétique, qu'on peut pratiquement considérer comme une mutilation, en tout cas une atteinte, dans certains cas, à l'intégrité physique, on est dans un monde devenu fou à ce niveau-là, et c'est vrai qu'on le dénonce très fortement. Après, c'est vrai qu'on ne partage pas forcément les modes d'action des femmes, au sens où il y a souvent une utilisation politique du corps, mais là, on est dans des revendications féministes, certes, dont on partage certaines positions d'ailleurs, mais sur l'utilisation du corps comme mise en avant pour attirer les médias et faire passer des messages, nous, ça nous pose question. Donc, vous voyez vraiment comme ça, en fait. Mais ça n'empêche pas que le corps des femmes est sans arrêt utilisé pour vendre dans une stratégie marketing, etc. Ça répond à votre question. Parce que, en fait, moi, au tout début, quand j'ai connu les femmes, c'est ça qui m'a attirée chez elles, c'est l'utilisation, cette banalisation de leur corps et des seins, parce que c'est surtout ça qu'on voit et qui est quand même notre attrait féminin, qu'on ne peut pas louper. Au final, elle l'utilise comme... Pour moi, en fait, au tout début, c'était juste un médium politique. Il n'y avait rien... de sexuel derrière. Et puis, avec l'évolution qu'elles ont prise, je suis devenue de plus en plus mitigée parce que j'avais l'impression qu'on ne savait plus très bien, en fait, où elles en étaient par rapport à cette utilisation-là de leur corps. Aujourd'hui, après les quelques mois qui se sont passés, etc., après le rush, après tout ça. Je pense qu'il y a une ambiguïté. Il y a à la fois cette surexposition du corps et à la fois cette volonté de désexualiser le corps, mais qui est finalement resexualisée par cette forte visibilité médiatique. Donc voilà, il y a une ambiguïté aussi, mais peut-être qui a été détournée aussi de l'usage et du sens qu'elles y mettaient initialement. Ouais, j'avais aussi envie de prendre la parole à ce propos. C'est vrai que, enfin, je ne parle pas du tout du fond des femmes et de ce qu'elles peuvent véhiculer comme conviction, idéologie, à vrai dire. C'est vrai que ça reste assez flou et je préfère pas entrer là-dedans. Je les ai vues défiler à Paris dans des quartiers populaires et enfin, ils auraient été pareils partout d'ailleurs, je pense. Et c'est vrai que je voyais bien que les gens ne voyaient que leur nudité en fait et ne dépassaient pas du tout et n'allaient pas vers le message qu'elles inscrivent, hein, à même le corps.
Et pourtant, moi, j'ai une espèce de sympathie pour cette façon de faire que je trouve à la fois très courageuse. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça me rappelle les Amazones, quoi. Il y a quelque chose, le corps armure. En plus, elles vont parfois un peu au combat ou face à des policiers, notamment bon, en Ukraine. Mais, et, je sais pas, il y a quelque chose qui est un corps fort, un corps de femme forte et qui détourne aussi cette image du corps qu'il faut toujours protéger, t'es très coquet, qu'il ne faut pas sortir dans la rue. Ben, elles sont dans la rue, elles sont nues, et elles y vont, et elles vont aussi contre la police, elles vont aussi contre d'autres formes de résistance, enfin, elles vont à la violence. Il y a un truc un peu, je trouve, limite adolescent, et peut-être même violent, dans l'auto-violence. Enfin, elles se mettent en danger, enfin, moi, elles me font peur aussi pour ça. Mais il se passe quelque chose. Personnellement, c'est quelque chose qui me touche. Je me dis, oui, voilà, elles inventent le corps fort, enfin l'image du corps fort des femmes. Et les femmes ont un corps fort. Bon, évidemment, personne n'aime se prendre des coups dans les seins, mais les hommes aussi ont leur point de faiblesse et le corps peut être fort. Voilà. Et je trouve pas ça si mal, mais de là à passer, enfin, c'est vrai que de là à voir les messages qui sont inscrits sur leurs seins, je ne sais pas. Hein, c'est délicat. Mais je comprends que Caroline Fourest ait eu envie de leur consacrer tout un docu qui était assez, assez parlant là-dessus. Oui, spontanément, ma première réaction, ça a été d'admirer, enfin, de prendre en compte la subversion que ça représentait, parce que ça, c'est une subversion. Tout à l'heure, on a parlé de subversion dans les années 70, les féministes échevelées, là, se voulait quand même subversive. D'ailleurs, on a monté en épingle les histoires de soutien-gorge jeté. Je suis même pas sûre qu'il y en ait eu. Comment ? Brûler les soutiens-gorge. Bon, on n'était pas à la nudité, mais il y avait quand même quelque chose de la provocation. Mais je voudrais revenir sur le mouvement de solidarité tout de même qu'il y a eu autour d'elle. Parce que s'il y a eu cette répression quand même impressionnante, c'est donc parce qu'elles ont, elles ont subverti quelque chose. Et donc, moi, je n'ai pas trop envie de me poser la question de comment elles font. Enfin, comme je disais tout à l'heure, il y a une multiplicité de situations qui font qu'on trouve les réponses qu'on peut trouver plus ou moins collectivement. Et moi, je pense que c'est aussi une pierre dans le jardin, enfin, du patriarcat. Ouais. Alors, moi, je voudrais poser deux questions. Premièrement, une question sur ce que pensent les responsables féministes du rôle de l'école, justement. Hein, parce que, enfin, vous en avez parlé rapidement, parce que je viens de lire le bouquin d'Emmanuel Todd, Hervé Lebras, avec énormément de cartes, et qui montre bien quand même que depuis une trentaine d'années, la démocratisation de l'enseignement, etc., ce sont les filles qui, de loin, ont fait le plus de progrès et qui représentent aujourd'hui la majorité des lycéens, lycéennes qui ont le bac, qu'ils progressent également, hein, qu'ils ont les meilleurs scores, souvent les mieux représentés dans les études supérieures, hein, même si elles sont moins engagées dans les filières techniques et scientifiques, hein, ce qu'on peut regretter. Donc, les effets à terme, pour vous, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même un mouvement de fond, hein, qui fait aussi évoluer les sociétés, qui permet aux femmes de prendre également, avec ces diplômes, et de revendiquer davantage encore l'égalité dans toutes les positions sociales, si on veut. Hein. Sans dire que si les femmes ont plus de diplômes que les hommes globalement, mettre plus d'ardeur au travail, etc., avec les limites qu'on peut constater. Je ne vais pas dire qu'on va vers un matriarcat qui n'a jamais existé dans aucune société, mais enfin, à la limite, hein, étant les plus nombreuses à réussir à l'école, les universités, etc., est-ce que ça ne devient pas, en quelque sorte, un petit peu ça, hein ? Bon, je crois que... Et ensuite, on passera par deuxième question. Non, non, mais finale. Oui, on peut avoir de l'humour et, oui, en étant un homme. Hein. Bon, et deuxième question,
Deuxième question, vous avez, c'était intéressant, parler des trois vagues du féminisme. Donc je vous vois venir. Bon, vous réfléchissez bien sûr aux évolutions aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce que ce serait la quatrième vague ? Alors sur le progrès des femmes dans les universités, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une féminisation extrêmement importante et que les femmes progressivement ont gardé. Bon, il y a eu, je crois que c'est en 68 qu'il y a autant de bachelières que de bacheliers, et puis à partir de là, ça a augmenté. La situation quand même en France, elle est paradoxale, parce que d'abord quand même, plus on monte, moins il y a de femmes. Hein, au bout d'un moment, bon, vous me direz, on peut attendre la suite, sauf que depuis maintenant, on est quand même dans la régression par rapport à ce qui s'est passé progressivement depuis les années 70. Et puis, surtout, en France, il y a le phénomène des grandes écoles, et là, il n'y a pas de progrès du tout. Les catégories scientifiques, mais même les grandes écoles, l'ENA, dans les écoles de commerce, là, actuellement, ça commence à être vraiment mixte, les écoles de commerce, c'est ce qu'il y a de plus mixte. Mais sinon, le reste de l'université n'est pas mixte. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des filières féminisées, des filières masculinisées, et il n'y a pas d'égalité. Et surtout, donc, l'excellence des grandes écoles, c'est clairement, enfin, tout ce qui est l'excellence, ça reste complètement fermé aux hommes. Alors là, on est vraiment dans le plafond de verre dont on parlait. Alors ça ne veut pas dire, si vous voulez, vous avez l'impression d'une progression un peu continue. Et en fait, quand on regarde plus le détail, c'est pas si simple que ça. Il y a eu une progression dans les années 70-80, et il y a depuis des freins très très importants. Donc, je ne m'inquiète pas pour la place des hommes dans la société. Comme le disent nos amis de la barbe, qui ont quand même bien, elles, trouvé la façon de montrer les limites de l'égalité, hein, puisqu'elles vont investir des lieux dans lesquels les hommes ont dignement résisté et qu'elles ont résisté à cette féminisation épouvantable où il y a quand même des fois une femme dans un conseil d'administration. Alors voilà, maintenant il y a les 40% obligatoires, mais bon, mais c'est pas non plus mon idéal féministe. Oui, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Françoise sur effectivement cette féminisation des études. Elle n'a pas été, enfin, en tout cas, de l'accès aux études supérieures, qui a été un long combat, hein, qui est assez méconnu d'ailleurs dans l'histoire des femmes, puisque encore au début du XXe siècle, les femmes n'avaient pas le droit d'être médecins, n'avaient pas le droit d'être avocat, n'avait pas le droit même d'accéder au bac. Ça date de 1861, c'est quand même relativement récent. Et puis même l'école des filles au niveau primaire, au niveau secondaire, ça a été un grand combat au XIXe siècle. Donc c'est relativement récent, mais cette féminisation aujourd'hui et cet accès aux études supérieures, il ne s'est pas traduit par un changement auquel on aurait pu s'attendre dans les évolutions des vies professionnelles. Et il y a des écarts qui stagnent. On est à 27% d'écart de salaire en moyenne, mais aussi dans l'accès aux responsabilités. Et effectivement, la barbe dénonce, que ce soit dans le milieu de la culture, que ce soit dans le milieu politique, que ce soit dans les grandes entreprises, il y a des assemblées d'hommes. Et dès qu'on atteint les plus hautes sphères du pouvoir, on voit qu'il y a une résistance forte. Et là, on est en pleine résistance patriarcale. Et puis, on parle souvent de plafond de verre, comme un plafond invisible qui empêcherait les femmes d'accéder aux responsabilités. Et on parle peut-être un petit peu moins de plancher collant. Et je voulais en parler parce que c'est un peu le titre de ce débat aussi ce soir. C'est-à-dire qu'on reste, coachés, hein, au sol. Et puis, il y a énormément de femmes qui sont dans des métiers extrêmement précaires, qui sont abonnés au bas salaire, à des horaires atypiques, à du temps partiel subi, et qui justement ne connaîtront pas d'évolution dans leur situation et qui auront en plus des toutes petites retraites à la fin. Et,
Et voilà, la précarité des femmes, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Et puis par rapport à la question sur la quatrième génération, j'ai envie de dire, elle reste à inventer. Ce sera nos prédécesseurs, enfin nos successeurs qui prendront la suite et qui réinventeront et qui peut-être ringardiseront nos combats, peut-être ringardiseront nos modes d'action. Et c'est très bien comme ça. Moi, j'ai eu le bonheur de rencontrer Benoît Adgrou il y a quelques jours. Avec quatre générations de féministes et puis avec des classes de lycéens et de lycéennes. Et puis, certaines lycéennes avaient sans doute des préoccupations différentes des miennes trentenaires et c'est très bien comme ça. Elles pousseront aussi d'autres mouvements féministes, j'espère. Oui, toujours sur ce sujet là, et la responsabilité de l'école. Il y a aussi ce qu'on appelle le mur de verre. Alors, le mur de verre, c'est les professions qui sont offertes aux unes et aux uns. Et il y a une étude de l'INSEE de 2006, c'est sur le Nord, hein, sur justement le rapport homme-femme dans tous les domaines. Et ça faisait établir que dans l'orientation des unes et des uns, le rapport, c'était 30, le choix entre 30 professions pour les filles. Alors, on ne les obligeait pas, bien sûr, hein, ce n'est pas contraint, mais et contre 300 métiers pour les garçons, c'est énorme. Alors, effectivement, les filles aussi s'orientent sur des professions, certaines professions, qu'elles savent compatible avec la charge aussi de la famille, parce que c'est ça, une des clés de l'égalité professionnelle, c'est aussi le partage dans la sphère domestique. Hein. Et là, on sait qu'on n'a pas avancé, quasiment pas avancé. Voilà, c'est une des explications du fait qu'on n'y arrive pas, vous avez raison. Et sortir du contexte français, en Iran, 60% des étudiants sont des étudiantes. Il n'empêche qu'au sortir, toutes les professions ne leur sont pas ouvertes. Que, par exemple, une femme peut être avocate, mais pas juge. Hein, on connaît l'exemple de Shirin Ebadi, qui n'a pas pu être juge. Donc, en fait, le système idéologique, politique, que j'ai appelé patriarcal, contraint considérablement. Hein, c'est-à-dire que, en amont, les conditions seraient requises. Aujourd'hui, il est à peu près prouvé que les femmes peuvent faire tous les métiers. Enfin, en tout cas, on a des exemples dans toutes les professions. Mais le vieil ordre social veille et les freins sont solides. Oui. J'aurais une question à poser sur la place des hommes, justement, dans la lutte pour le féminisme. Dans les années 75 à 80, à partir de Vincennes et des communautés, c'était développer une réflexion des hommes pour accompagner justement ce combat des féministes. Et je pense à une revue type d'hommes, enfin, que j'ai encore d'ailleurs, quelques exemplaires. Or, 35 ans plus tard, on n'en parle plus. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est souterrain, très souterrain, ou est-ce que ça existe encore? Parce que je trouvais qu'il y avait des réflexions intéressantes entre hommes, justement, notamment sur le problème de comment prendre la charge domestique, etc. Enfin, bon, il y avait des réflexions dans tous les, enfin, un peu dans tous les domaines, quoi. Mais je trouvais que c'était intéressant et c'était un rôle actif et non pas passif, quoi, dans cette lutte, justement, pour la libération des femmes et la libération de l'homme aussi, d'ailleurs. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, à Lille, à l'Univers, il y a un film qui est passé avec justement sur la contraception masculine. J'ai oublié le titre. Comment c'était ?
des rétrospermato, c'est ça. Et avec des militants de l'époque de la lutte sur l'avortement, et qui certains étaient là pour animer le débat, et donc ils avaient pris en charge complètement leur contraception, à la fois pour partager, hein, que ce soit pas toujours aux femmes d'eux, quoi que j'en pense, et puis en même temps pour refuser le rôle auquel ils étaient assignés. Alors, il y a eu aussi une revue, alors vous en citiez une, j'en ai connu une autre que j'ai lue quand elle paraissait, c'était PAPAS, rôle, avec un accent circonflexe, d'homme. Donc il y a eu plusieurs, mais ils ont été quand même très, très minoritaires. Je crois qu'effectivement, beaucoup de blocages se lèveraient s'il y avait un mouvement d'hommes que moi j'appelle nos compagnons de route et qui existent en direction des autres hommes. Alors, il y a des petits groupes qui travaillent, en particulier sur la question des violences, ici ou là. Il y a des hommes engagés pour aller parler aux autres hommes sur la question des violences ou du viol, mais ça reste effectivement minoritaire. Alors, on parlait de la quatrième génération. Est-ce que la quatrième génération, ça pourrait peut-être être ça aussi? Alors, moi, je pense que la façon dont vous avez... les expériences auxquelles vous faites référence correspondent à un autre moment historique, effectivement. C'était le moment du mouvement de libération des femmes, qui était un mouvement non mixte, et où on disait, effectivement, à nos compagnons, faites vos groupes, parlez entre vous, etc. Bon, alors maintenant, ça n'est plus le cas, puisque, effectivement, aujourd'hui, les mouvements, la plupart des mouvements qui commencent aujourd'hui, sont ouverts aux hommes, et en particulier le premier qui l'a affirmé de façon très, très importante, c'est Mixité. Mixité a vraiment été fondée par une femme et un homme au départ, et l'homme est toujours là, la femme elle est passée à d'autres niveaux de politique, mais en tout cas chez eux c'était vraiment le choix était fait clairement de dire maintenant les hommes ont changé et ils peuvent participer. Bon, alors nos réunions sont ouvertes aux hommes. On n'en voit pas beaucoup. On en voit aux rencontres d'été. Il y en a quand même un certain nombre qui sont là. Aux féministes en mouvement, il y a par exemple l'association Zéro Macho. Il est parmi nous, mais il vient pas souvent aux réunions non plus. Il vient. C'est ouvert aux hommes et ils sont manifestement moins mobilisés que les femmes, ce qui est quand même compréhensible parce que on peut être pro-féministe quand on est un homme, comme on peut être antiraciste quand on est un blanc, mais on ne le subit pas dans son corps de la même façon. Donc c'est un fait il y en a aujourd'hui quand même un nombre. Oui. Donc peut-être encore deux questions. Je vois que le temps passe. Donc je le garde. Oui, volontiers. Oui, tant qu'à faire. Je voulais conseiller un article qui est paru dans Monde Diplo de septembre, justement sur les livres que l'Éducation nationale propose, hein, et notamment sur l'image stéréotypée des femmes dans les manuels scolaires. Je pense qu'on a, nous, enfin moi, en tant qu'enseignante, j'ai un gros travail à faire là-dessus. Et notamment, par exemple, une idée toute bête, c'est d'écrire aux éditeurs. Moi, ce que je fais, j'écris aux éditeurs pour leur dire pourquoi elle fait toujours du shopping pendant que son compagnon travaille, quoi. Et je pense qu'on a un travail à faire, les mères, les femmes, les enseignantes, et les syndicalistes, on a un travail à faire là-dessus, sur la représentation de la femme dans les manuels scolaires. Et j'entendais une sociologue dire qu'il y avait finalement beaucoup plus d'éducation au sexisme à l'école maternelle que dans les familles, paradoxalement, parce que dans les familles, il y a de moins en moins d'enfants, un ou deux, et finalement, on investit beaucoup sur l'enfant, peu indistinctement, fille ou garçon. Alors qu'à l'école, il y a une reproduction terrible de la différence sexuelle, la différenciation culturelle forte, avec des réactions, notamment lundi matin, sur la coquetterie de la petite fille, mais les actions aventureuses ou aventurières du garçon pendant le week-end, ou
ou sur le fait d'être beaucoup plus sollicitant à l'égard des garçons, etc. Donc voilà, ça peut être aussi un des éléments. L'école de la République produit aussi le sexisme. Mais enfin, quand même, il y a de plus en plus d'écoles qui demandent des interventions justement associatives sur ce thème de l'égalité. Et là, avec la réduction des temps d'école, là, ça fait controverse et on ne sait pas comment ça va se terminer, mais on est quand même beaucoup appelés pour aller faire des interventions dans les écoles. Là-dessus, il y a eu une vraie régression, hein, parce qu'il y avait dans les années 80, une association très active avec Catherine Valabrègue et tout ça, pour une éducation non sexiste et qui avait quand même marqué des points. Il y avait des lycées qui se lançaient dans des sortes de labels qualité. Bon, ceci dit, ici à Lille, il y a une opération semblable avec le lycée Baggio. Là, je fais une parenthèse. Et le conseil régional, le planning familial et le CORIF. Donc, il y a des opérations exemplaires qui reviennent. Mais il y avait eu des points marqués. Et je me souviens, l'association, je ne sais pas si Nathalie, tu te souviens de cet épisode-là. On s'intéressait beaucoup au catalogue de jouets au moment de Noël et on allait faire la leçon un petit peu dans les boutiques et il y avait Cora avait fait paraître un catalogue où toutes les pages étaient mixtes. Ça a existé, c'est-à-dire par exemple oui. Ah bon, d'accord. En tout cas, et on était allé féliciter le directeur, et comme ce n'est pas lui qui était à l'origine de ça, mais certainement son chargé et qu'il ne voyait pas, il nous a répondu que, ah oui, ah bon, ah oui, mais nous, on aime les femmes. Bon, ce n'est pas tout à fait la question, mais tout de même, il y a eu quelques catalogues qui avaient entendu le message. Et il y avait autour de Fisher-Price, il y avait garçons et filles. Et puis dans la forêt, à la, je sais pas, dans le, comment dire, l'aventure avec le casque, voilà, les baroudeurs, il y avait garçons et filles aussi. C'était un progrès. Mais là, il y a eu un gros recul. Oui. Alors, je pense que c'est un petit peu vache de lancer cette discussion à la fin parce que je suis sûre que vous auriez toutes les quatre des choses très intéressantes à dire là-dessus. Mais je sais pas comment poser la question, du coup je vais la poser comme ça et puis après vous en faites ce que vous en voulez. Mais donc, est-ce que vous ne croyez pas que les catégories hommes-femmes et donc cette extrême binarité ne sont pas créées par les rapports de domination ? Et que du coup, la lutte contre les rapports de domination passe aussi par la remise en cause de cette binarité, même si à des moments, stratégiquement, c'est important de s'appuyer sur ce qui existe dans la loi, c'est-à-dire les catégories hommes-femmes et dans les relations de travail. Donc je vous laisse la parole, tout en étant consciente que ça... Enfin, je pense que Françoise Pic l'a d'ailleurs bien dit tout à l'heure. Oui, je pense qu'elle sera assez d'accord avec vous. Oui et non. C'est une question sur laquelle je suis assez nuancée. Parce que, si vous voulez, d'un côté, il y a ce que vous dites. C'est une certaine conception du genre. Qui va jusqu'à entre le sexe et le genre, lequel est premier. Donc l'idée que c'est la domination qui crée les catégories, donc d'abord de genre, et que le sexe est produit à partir du genre. Donc ça, c'est une des... Donc Christine Delphi. Et puis si on continue sur cette lignée-là, là où d'ailleurs Christine Delphi ne va pas, mais si on continue sur cette lignée-là, on va jusqu'au queer. Donc où là, effectivement, ce n'est pas seulement les catégories, enfin, c'est la remise en question totale de la binarité de sexe. Et moi, je veux dire que je suis assez... par rapport à cette question-là, j'ai fait un article qui s'appelle « Vous avez dit queer ?» la question de la différence des sexes dans le mouvement féministe. Et moi, je suis très inquiète sur cette évolution-là, parce que je pense que les femmes ont beaucoup à y perdre. Que d'un côté, donc ça faire disparaître la différence des sexes, parce que
elle ne serait qu'un résultat de l'oppression. Je pense que c'est dangereux parce que on risque de perdre avec ça ce que nous avons acquis de droit lié à cette différence. Je veux dire, par exemple, la libre disposition de son corps. Vous savez que c'est quand même une question qui va se poser. Si on commence à dire les femmes ne sont pas plus mères que les pères ne sont pères, pourquoi est-ce que c'est les femmes qui décideraient de garder ou non un enfant ? Bon, moi, il me semble que c'est pas pareil d'apporter un enfant dans son ventre ou d'avoir lâché des spermatozoïdes sans le faire exprès et en le regrettant. Le fait que ce soit finalement les femmes qui décident de garder ou non un enfant, ça me semble être un acquis du féminisme sur lequel on ne peut pas revenir. Alors après, la contraception masculine, elle peut avoir alors tout à fait cette façon-là que les hommes effectivement prennent leur responsabilité pour être sûrs de ne pas enfanter. Voilà. Bon, donc, ceci juste pour dire que, et bon, pour conclure, parce que c'est la conclusion de cet article, parce qu'il y a un grand débat aux États-Unis entre effectivement les queers et les féministes. Et là, je cite, je termine ça sur une citation de Karen Hoffman qui dit que si on fait disparaître les catégories hommes et femmes, on fait disparaître, plus que l'oppression, on fait disparaître le féminisme. Parce que le féminisme, c'est quand même une lutte. On est les acteurs, les groupes sociaux acteurs dans le système. Parce qu'on ne fait pas disparaître le patriarcat et la domination masculine en disant on fait disparaître la différence des sexes. Moi, j'ai été frappée la première année des rencontres féministes où on avait un débat là-dessus, et j'étais d'ailleurs assez minoritaire par rapport à la jeune génération pour qui la différence des sexes est absolument créée. Dans le débat qui a eu lieu à ce moment-là, il y avait là quelqu'un qui était au centre gay et lesbien et qui remarquait qu'effectivement, dans ce genre de projets politiques, de construire une société sans genre et de faire disparaître la différence des sexes, on luttait très bien contre l'homophobie, mais contre la domination masculine, pas du tout. Donc il y avait vraiment une... très souvent dans les lieux mixtes, on a cet élément-là, la domination masculine, elle existe et elle se perpétue. Donc si on n'est pas, nous, femmes, accroché quand même à quelque chose, bon, non pas qu'on dise une différence naturelle, on ne croit pas qu'il y a une nature féminine qui ne bouge pas, etc. Mais l'idée selon laquelle on pourrait, on viserait à la disparition de ce qui nous différencie, je pense que c'est assez dangereux. Alors je l'ai un petit peu dit dans ce petit bouquin là, des trucs de la où peut mener la mixité. Moi, je prendrai aussi volontiers la parole. De toute façon, il y a une dimension biologique qui est indéniable, et même si les trans peuvent changer de sexe, mais on sait bien aussi tout le travail, tout l'effort hormonal, tout l'effort. C'est énorme. Donc, c'est pas comme ça un claquement. Ils prennent leur sexe, on peut dire. Ils prennent leur sexe, mais leur sexe psychique, mais c'est énorme, énorme. Donc ça, c'est quelque chose, rien qu'à voir les efforts qu'ils doivent faire, on voit bien qu'il y a quelque chose qui résiste. Ensuite, il y a une dimension sociale de la biologie qui est évidente, entre les risques de la maternité, et éventuellement psychique aussi. On ne peut pas complètement balayer la pensée de l'origine, même si on n'est pas obligé de densifier ou de penser l'Œdipe de façon très, très lourde, mais néanmoins, quand même, il y a un rapport au ventre d'où on vient qui n'est pas complètement absent des esprits, certainement. Mais en tout cas, là où je vous rejoindrais bien, c'est qu'il faut aussi penser au-delà du genre, tout du moins s'y efforcer, c'est aussi une utopie. Et puis aussi, peut-être, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, aussi peut-être penser la désexuation de l'état civil.
Je pense que ça nous serait complètement aberrant d'avoir la race à l'état civil. On sait bien les ressorts racistes que ça comprendrait de la part de l'État. Or, même des féministes continuent à s'accrocher aux sexuations de l'état civil comme si c'était un moyen de vaincre les discriminations, alors que pas du tout, c'est un marquage. C'est un et deux. Et en particulier à l'heure du mariage pour tous et de l'homoparenté, qui est maintenant légalement reconnue, ça n'a vraiment strictement aucun sens. On peut dire que la sexuation de l'état civil servait à hétérosexualiser le mariage, et donc ce verrou-là ayant sauté, il est évident, et d'ailleurs les manifestants de Manif pour tous, les opposants au projet de loi contre l'ouverture du mariage, d'ailleurs, s'ils n'étaient pas trompés, mais c'est évident que là, il se passe quelque chose sur la question de l'état civil. Pourquoi est-ce que femmes et hommes devraient avoir des droits et des devoirs différenciés à l'heure contemporaine? Donc, il y a quelque chose de nouveau. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on peut balayer comme ça complètement la question du genre. Si je peux rajouter par rapport effectivement au queer et cette tentative qui, je dirais, intellectuellement est très séduisante de dissoudre le genre, comporte comme risque de complètement invisibiliser les inégalités entre femmes et hommes. Parce que même quand les personnes transgenres changent de sexe ou sont dans une transition pour changer de sexe, c'est pas forcément changer de genre. Pourquoi ? Parce qu'on a été sociabilisé dans un genre et mettre en cause des années de d'éducation, de sociabilisation, c'est pas si évident que ça. Et je pense que ça a tendance à donner moins de visibilité aux inégalités et donc forcément aux luttes féministes. Après, sur l'état civil, je pense qu'effectivement, on est réassigné à un genre sur l'état civil, que les personnes transgenres devraient pouvoir changer de sexe sur l'état civil. Et moi, j'y suis complètement favorable. De la même manière que son genre n'a aucune importance normalement en termes d'accès à la santé, à la sécurité sociale, etc. On ne devrait pas être nous demander quel est notre genre. Ça devrait avoir aucun impact en termes de droit. Mais c'est même par les transgenres que peut-être on abolira ce petit 1 et ce petit 2 du numéro INSEE, c'est-à-dire qui rappelle la secondarité, la hiérarchie quand même, parce que c'est un et c'est deux, c'est deuxième sexe. Oui, d'accord, bon, si on est bon en maths, on peut. Ce qu'on combat et ce qui reste à combattre et ce qui est fortement ancré dans le réel, c'est pas tant la différence que la hiérarchie. Parce que les différences, on a sacralisé, mais toujours pour perpétuer le système, enfin ce système politique dont on a tracé les grands, ce système social et politique patriarcal dont on a tracé les grandes lignes. J'ai perdu le fil. On a sacralisé cette différence-là. C'est vrai qu'elle a structuré depuis très longtemps les sociétés, mais on peut désacraliser cette différence et en faire une différence. C'est pas tant les différences, c'est les hiérarchies qui sont à combattre. Et sinon, pour dépasser le genre, déjà on trouve qu'on n'avance pas, mais alors là, ça prendra, à mon avis, encore plus de temps. C'est juste que, par exemple, pour la question de l'effort de passer d'un sexe à un autre, il y a aussi un effort qui est dans l'autre sens pour les personnes qui sont intersexes, qu'on va vouloir faire passer dans une des deux catégories, et du coup, là aussi, il y a un effort. Et deuxième chose, je me dépêche, pour comparer, vous avez parlé du racisme et de la question des races, pour comparer la binarité de la remise en cause noir-blanc, donc c'est-à-dire pour montrer qu'il y a un panel de couleurs et de diversité, n'empêche pas les luttes black, quoi. Ah oui, tout à fait. Du coup, et sur la question des intersexes, je veux dire, c'est un crime d'État, quoi. C'est-à-dire que l'État mutile pour opérer sa chirurgie sociale en hommes et femmes. Et c'est en notre nom, hein. Nous sommes tous responsables
de cette chirurgie sociale-là et de ces mutilations-là, parce que ce sont des gens qui avaient un corps, enfin il y a toutes sortes de situations, mais qui avaient un corps viable, sensible, qui était indéterminé, et dont on fait un corps insensible, un corps charcuté. Et c'est en notre nom. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très fort. Et tout à fait, il y a tout un nuancier, même si les corps humains sont quand même assez standardisés biologiquement, il y a quand même un nuancier, le fameux stade de Prader, on peut différencier en 5 siècles, en 10 siècles, et on peut continuer comme ça, notamment avec les travaux d'Anne Fausto-Sterling en question biologie, en biologie. En tout cas, merci beaucoup à vous tous, et beaucoup de votre écoute. Et merci beaucoup aux intervenantes, c'était très intéressant. Merci.